Jean-Claude Ménard, donc, je suis président de l'association Estuaire Loire-Vilaine. Petite forme ce matin, ça peut arriver. Après quelques jours, pas très bien, donc j'espère ne pas avoir de trous. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu les qualités écologiques des masses d'eau côtière, en revenant un peu sur un petit peu quand même un petit peu d'histoire des fois, de passé, très rapidement, et puis surtout présentant d'une manière générique tout cela, pour que ensuite les différents intervenants puissent compléter tout ce que je vais dire d'une manière encore plus précise parfois. C'est beaucoup plus, moi, un état des lieux, en vous montrant ce qui se passe, les pressions, ainsi de suite. Et puis une note, des notes bien sûr pessimistes et d'autres aussi assez positives quand même, parce qu'on peut faire quelque chose, même si l'état est quand même assez, assez catastrophique par moment. Donc là, les zones côtières, comment ? Assoir ? Oh non. Les zones côtières sont dépendantes évidemment de tout ce qui va se produire à terre. Ce sont les bassins versants, effectivement, de la Loire et de la Vilaine qui vont apporter énormément de choses. Vous le verrez au fur et à mesure des interventions. Si on ajoute, si vous voulez, à cela toute la partie qui tient compte. Du bassin versant de la Vilaine, on arrive pratiquement à entre un cinquième et un quart de la surface de la France. On sait que toute cette partie-là est surtout essentiellement agricole. Il y a bien sûr beaucoup de villes sur le parcours de la Loire. Beaucoup de villes, ça veut dire beaucoup de stations d'épuration, beaucoup de rejets, etc. Que l'industrie est beaucoup plus concentrée sur l'estuaire de la Loire jusqu'à Nantes, essentiellement, même s'il y a eu des industries anciennes, surtout le cours du fleuve, des papeteries, et que c'est quand même le phénomène agricole qui pose, enfin qui va nous interroger en ce moment. Des régimes complètement différents au niveau pluviométrie, c'est-à-dire que le bassin de Vilaine est surtout concerné par les régimes océaniques, alors que le bassin de la Loire va être complètement concerné et par les processus océaniques et en même temps par les crues d'origine cévenole. Et qui peuvent être fortes et qui seront peut-être de plus en plus. La Méditerranée se réchauffant, nous allons avoir des phénomènes extrêmement importants au niveau cévenol. Alors ça déborde après, et bien sûr, ces pluies, quand il y a et des phénomènes océaniques plus des phénomènes cévenol, on arrive à des crues majeures. Alors, débit moyen de la Loire fleuve sauvage, alors ça c'est ancien, ça date de 2009, hein, un auteur qui s'appelle Salvin. Dans des thèses, on voit que, vous voyez, bon, ça c'est la moyenne. Hein. Bon. Que l'hiver, bah, il y a un peu plus d'eau et qu'à partir de octobre, novembre, théoriquement, il n'y en a plus. Ça a bien changé. À savoir que, par exemple, une crue en 1910, c'est 6300 m3/s. C'est énorme. C'est énorme. Tout était inondé dans la vallée de la Loire. Nantes était inondée. Il y a beaucoup de choses qui étaient inondées. Et puis d'autres crues aussi qui sont. Embêtante. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui arrive au printemps, avril-mai, au moment où les cultivateurs ont labouré, vont commencer à semer du maïs et donc ont mis beaucoup d'engrais. Ces pluies-là sont très embêtantes. Et on s'aperçoit maintenant en fait que ce schéma, qui était vrai dans les années 2015 à peu près, a complètement changé. On a maintenant des étiages extrêmement sévères, c'est-à-dire très peu de crues majeures. Ou alors, on va voir tout à l'heure des crues qui arrivent à des moments improbables. Et on a plutôt ce genre de choses, c'est-à-dire 8 à 9 mois d'étiage sévère. En ce moment, la Loire est à 125 m3 de débit à la station de Mont-de-Jean, ce qui est très faible, hein, très faible. Et puis, par moment, c'est arrivé il y a quelques années, une crue au mois de juin. Au moment où il y a eu un orage, il y avait une bulle d'air froid sur le bassin du Parisien, il pleuvait, il a plu pendant 15 jours, 3 semaines, la Seine débordait, et nous, on a eu les conséquences, et vous avez eu au mois de juin, par exemple, tous les prés de la Loire, qui étaient à ce moment-là en foin, qui ont été couverts d'eau, donc ils se sont dégradés, les bactéries sont arrivées là, et il n'y avait plus d'oxygène en eau de Loire, vous aviez des anguilles qui mouraient. Donc vous avez des phénomènes maintenant qui vont arriver à des moments complètement improbables, même s'il y a une tendance, c'est-à-dire un étiage de plus en plus important.
Deuxième chose à savoir, c'est que la Loire et la Vilaine ne vont pas concerner que notre secteur. Dans les crues moyennes, voire plus importantes, une crue à 3500 m3, là, l'eau douce peut remonter jusqu'à Brest, et dans les grandes crues, ça peut remonter, bien sûr, jusqu'au Cotentin. Donc, toute la Bretagne est affectée par ce genre de choses. Et c'est Ménesgen de Ifremer qui le dit, même si toutes les rivières de Bretagne étaient propres, on obtenait des taux de nitrate faibles, etc., ce qui arrive de la Loire et de la Vilaine serait suffisant pour qu'on ait toujours des marées vertes. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est un tout, ce n'est pas parcellaire, même si tout à l'heure, on ira dans le détail. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est ce qui se passe dans notre région, magnifique, hein, qui, entre justement la Loire, c'est-à-dire et la Vilaine, l'eau douce et l'eau de mer, donc une richesse assez incroyable. Là, c'est une petite crue en 2007, hein, photosatellite, de 2500 m3, on voit les courantologies, là, quand on s'est remonté plutôt vers le nord. Je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais tout remonte vers le nord dans l'hémisphère nord, en particulier avec la force de Coriolis, qui fait que tous les courants remontent vers le nord. Et là, ce qu'on a au début, bah, depuis tout le temps, ou presque, hein, c'est les marais salants, marais de Metz et marais de Guérande. On a une activité portuaire de pêche à la Turballe et au Croisic. Le trait du Croisic aussi, ainsi que le trait de Penbé, où il y a beaucoup de coquillages. Le trait du Croisic, en prenant tous les naissins de la baie de Vilaine, élève une quantité de coques importante. Et puis, il y avait la mythiculture qui, auparavant, avant le barrage, se trouvait effectivement plutôt dans l'estuaire de la Vilaine et qui, après le barrage, en raison d'envasement, etc., se retrouve plutôt sur cette partie-là de la côte, bien sûr, de côté Kerroyal, ainsi de suite. Mais c'est plutôt ici. Donc, c'est activité primaire qui tenait compte absolument de, dépendante de la qualité de l'eau, des crues, d'un tas de phénomènes importants. Et aussi, on verra aussi tout à l'heure avec les intervenants suivants, des problèmes liés à des phytoplanctons toxiques. Alors, là-dessus, sont greffés, mais ça, c'est déjà ancien, le port de Saint-Nazaire et sa construction navale, les zones Céveso que vous connaissez, Donge, Montoire, etc., puis Cordemais qui va sans doute changé, mais enfin qui est resté très longtemps et qui l'est encore au charbon. Donc ça, c'est des activités industrielles. Et puis en mer, eh bien, on a commencé à construire des parcs éoliens, donc avec une industrialisation de la mer qui pose aussi des questions dans les travaux, c'est-à-dire sur en particulier la turbidité causée, sur les infrasons, les ultrasons qui sont produits, etc., et dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Si on ajoute les rejets, en particulier des dragages, qui se trouvent au large de la Lombarde, si on ajoute les extractions de sable, et si on ajoute maintenant la pression touristique, qui est extrêmement importante, là, entre, par exemple, toute la côte entre le Pouliguen et, je dirais, Saint-Marc-sur-Mer, mais aussi entre la Vilaine et la Loire, sur certains week-ends, il peut y avoir jusqu'à 750 000 personnes qui sont présentes sur un week-end. Donc ça suppose que tous ces gens-là consomment, tous ces gens-là boivent, vont aux toilettes, comme tout le monde, et donc il faut beaucoup de stations d'épuration, qui apparemment, dans certains cas, fonctionnent assez bien. Donc là, on a Pénétin, là, vous avez la Turballe. Là, vous avez le Scal au large de Bassion-Mer, et puis ici, vous avez Chémoulin. Donc ça, c'est pour la Carène et Saint-Nazaire, et puis là, c'est surtout Cap-Atlantique. Donc, en fait, tout ça, c'est des pressions énormes. On sait que les stations d'épuration sont faites pour un certain nombre de personnes, mais quand il y a beaucoup de monde qui consomme en même temps, etc., plus des aléas climatiques tels que des pluies, des choses comme ça, on peut avoir des problèmes, effectivement, de passage des eaux pluviales dans les eaux usées et l'impossibilité de traiter suffisamment les eaux en mer. Donc là, ce que je voudrais dire, c'est que ces pressions-là sont importantes et durent depuis les années 70, en gros, où il y a eu vraiment un boom de la construction. Tout le monde voulait au bord de la mer, les maisons secondaires, etc., construction de ports. Et petit à petit, par exemple, l'assainissement a suivi, mais il n'a pas devancé, finalement, toute cette évolution extrêmement importante. Dans le même temps, dans les années 70, j'en parlais un jour à un cultivateur, je lui demandais quand est-ce que tu as commencé à mettre du maïs. Il m'a dit 73.
Et ta copie. Ah, ben, il y en a qui ont commencé un peu avant. On a trouvé que c'était bien. On a enlevé les haies. Et puis, on a eu plus gros tracteur. Et ensuite, on a mis du maïs. Donc, maïs, c'est beaucoup d'intrants, etc. Donc, toute cette partie de la vie de 70 à 2000, c'est 30 ans, bien sûr, de développement économique assez fantastique et 30 ans de pollution fantastique. Donc, pas tellement géré, pas tellement, etc. Si bien que, j'ai oublié une chose, là, il y a aussi le bouchon vaseux de la Loire, dont Christelle vous parlera certainement. C'est un phénomène naturel qu'on n'a pas en Vilaine. Il n'y a plus de bassin de marée en Vilaine. Hein. Donc, on avait ça auparavant en Vilaine, mais il n'y en a plus. Donc, c'est un phénomène naturel, effectivement, où le bouchon vaseux, selon les crues, selon l'étiage et autres, est plus ou moins haut et plus ou moins important en Loire, mais effectivement, est un endroit qui va garder, conserver un certain nombre de polluants et de matières organiques qui amènent ensuite des problèmes particuliers sur la qualité des eaux. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'Europe, heureusement que l'Europe a réagi assez tôt, c'est-à-dire que on a eu des directives qui sont arrivées dès les années 2000 en particulier pour qu'il y ait une bonne qualité d'eau, d'abord potable, et puis de l'eau de mer. Donc à partir de là, il y a eu un état des lieux qui a été fait, les problématiques à traiter, un plan de gestion qui correspond à ce qui est fait dans les DAGE pour atteindre les objectifs environnementaux, un programme de mesure, un programme de surveillance et l'état des lieux, le plan de gestion sont à renouveler tous les 6 ans. Alors, à côté de ça, une deuxième chose, la directive cadre sur le milieu marin, qui est arrivée plus tard, 2008, et qui est pour chaque région marine un plan d'action pour le milieu, avec des éléments suivants, protéger, conserver, éviter la détérioration des écosystèmes marins. Il était temps, donc, et c'est compliqué. C'est-à-dire que cette DCSMM, elle a mis quand même quelques années à pouvoir dire voilà l'état des lieux. Parce qu'en mer, à terre, on arrive encore à mesurer. Hein. Vous verrez sans doute dans des cartes possibles qu'effectivement, on sait ce qui se passe dans les rivières, c'est mesuré, dans les plans d'eau, ainsi de suite, dans les nappes phréatiques de plus en plus. Mais en mer, c'est d'une grande complexité. On n'a pas de cartographie des fonds marins avec les espèces, la faune et la flore qui y vivent. C'est extrêmement compliqué d'aller faire. Donc, ça demandait quelques années avant d'avoir un état des lieux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme action? Donc, dans les actions, prévenir, éliminer progressivement la pollution. Et puis, maintenir une pression humaine de pêche, etc. Quand j'ai mis pêche, c'est au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas que la pêche, bien sûr, des professionnels, mais toute forme de pêche, il y a de plus en plus de monde sur la côte, soit à pied, pêche embarquée, font que. Il y a vraiment une pression très forte. Et que ce soit compatible avec la réalisation du bon état écologique. Entre parenthèses, pour moi, ça, c'est des vœux, parce que c'est très compliqué quand on a beaucoup de monde, etc., de dire aux gens, bah, soyez modérés, faites très attention. Il y a des règles, mais les règles, personne ne veut vraiment ne les fait appliquer. Et d'autre part, les écosystèmes doivent pouvoir réagir aux divers changements de la nature et des hommes, tout en permettant une utilisation durable du milieu pour les générations futures. Alors, ils doivent pouvoir réagir aux divers changements. Ça supposerait que la nature elle-même ait une capacité de prévoir les adaptations, de réagir déjà au niveau biologie pour se dire, oh là là, ça peut se faire. Ça peut se faire, en particulier avec le réchauffement climatique, où on voit qu'il y a des adaptations. Mais sur la présence humaine, c'est un peu plus compliqué. Donc, ces deux, DCE plus DCSMM, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même ici un cadre. Maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir l'appliquer, comment on va pouvoir faire. Alors, sur l'état des eaux côtières au sens DCE, il y a deux aspects, un état chimique et un état écologique des masses d'eau. Et ça, c'est un peu nouveau. Jusqu'à maintenant, on prenait surtout, bien sûr, l'état chimique. Et donc là, c'est tout ce qui concerne pesticides, etc. Et vous verrez tout à l'heure dans une intervention que ces données sont importantes, non seulement parce qu'on sait ce qu'il y a et on sait de plus en plus, mais que vous avez vu cet été des interdictions, par exemple, de pêche pour les amateurs, mais vous verrez aussi pour les professionnels. Eux, ils sont un petit peu dans les cas différents parce qu'ils peuvent mettre leurs coquillages dans des bassins et laisser quelques jours pour pouvoir les vendre ensuite. Mais d'une manière générale, il y a de plus en plus quand même d'interdictions parce que aussi, on a de plus en plus
d'indicateurs qui permettent de dire, attention, là, il y a des problèmes. Je me souviens très bien, dans les 70-80, quand vous alliez au Croisic, systématiquement, la première semaine, vous aviez la croisicaise. La croisicaise, c'était très simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'assainissement n'était pas terrible. Hein, tout allait à la mer, et puis hein, vous avez des germes qui étaient en mer. Dès que vous mangez des coquillages, bah, vous aviez pendant 2-3 jours une bonne diarrhée, quoi. Donc, c'était la croisicaise. Voilà. Alors, actuellement, 73% des 30 masses d'eau côtière évaluées en 2019 sont en bon ou très bon état. Masse d'eau côtière, on verra que ce n'est pas aussi simple que ça tout à l'heure. Quant à terre, de mémoire, mais ça, c'est Jean qui pourrait nous le dire, mais je crois que c'est que autour de 39% des eaux douces qui sont considérées en bon état, tout au moins sur la région Bretagne. Alors voilà les listes des masses d'eau. Alors, vous voyez qu'elles sont assez importantes. Si on prend la Loire ici, que la masse d'eau qui est ici, bah, elle est grande, hein, c'est-à-dire qu'elle va, elle va quand même loin ou large, etc. Celle-là aussi. Et si on prend effectivement des indicateurs sur l'ensemble, elle est quand même de bonne qualité. Mais si on prenait des indicateurs dans l'estuaire, ce ne serait peut-être pas la même chose. Et puis on va voir ce que sur la côte, c'est encore différent. Donc oui, d'accord, il y a des masses d'eau, elles sont de bonne qualité à 73%, mais aussi, il y a quand même de problèmes. Et là, par exemple, là-dessus, l'état médiocre, eh bien, il est signalé hein, sur l'état, par exemple, chimique des eaux côtières. Ben, là, ce n'est pas étonnant. Hein, tout ce qui sort de la Seine, ce n'est pas terrible non plus. Brest, c'est pour d'autres raisons. Plein de raisons. Bon, il y a bien sûr l'arsenal, mais des raisons. Ifremer, je ne sais pas si Cathy est là, mais Ifremer, à ce moment-là, il y a eu, par exemple, des pollutions multiples dans des zones, par exemple, d'extraction de plomb, de mercure, des choses comme ça. Ils font justement, Ifremer fait un travail de recherche hein, qui va très très loin dans les terres des fois pour trouver des contaminants qui arrivent en mer. Donc ce qui est nouveau, c'est l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau qui s'appuie sur un suivi régulier de différentes composantes de la faune et de la flore et sur le développement de calculs d'indicateurs de qualité. Je ne sais pas si notre modérateur souhaite à ce moment-là de l'intervention poser des questions, faire réagir la salle. Ah ben ça. Donc je suis animateur plus que modérateur en ce moment-là. Oui. Bon, volontiers. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire ou poser une question ou féliciter le début de l'exposé ? Il y a une question au centre. Attendez. Non, non, attendez. Non, mais vous avez... tout le monde l'entend. Non. Oui, juste ce que vient de dire Jean-Claude, bien entendu, à propos de la qualité des eaux douces, sur ma petite fiche là, que j'ai préparée, moins de 11% des cours d'eau et des nappes phréatiques des Pays de Loire, alors, je ne sais pas si tu parlais de Pays de Loire, des Pays de Loire sont classés en bon état écologique. Moins de 11%. En Vendée, 1% de ces eaux sont qualifiées de bon état, 1%. En Loire-Atlantique, 2%. En Maine-et-Loire, 5%. Commentaire, situation catastrophique, excuse-moi, c'est alarmante. C'est les données du SDAH, c'est quelles données, ça? Ben, j'ai trouvé ça... C'est récent. Ben, je n'ai pas la source, là, oui, effectivement. D'accord. C'est un article de presse. Oui. Donc, après, on peut faire confiance à la presse. Catherine, tu peux opérer, donner-le à Catherine. Bah, ce sera plus simple pour tout le monde. Complément d'information, merci. Source, c'est toujours intéressant quand vous pouvez l'avoir, monsieur. Madame. Une autre question, c'est, en fait, vous avez parlé de la pollution qui pouvait être liée aux éoliennes. Est-ce qu'on a du recul par rapport à ce qui... Enfin, des informations par rapport à ce qui s'est passé déjà dans d'autres pays où ils ont des champs d'éoliennes depuis beaucoup plus longtemps que nous? Oui, il y a beaucoup de retours. La question de départ, c'est est-ce que les éoliennes sont placées sur les mêmes fonds? C'est-à-dire, on sait, par exemple, sur la mer du Nord et en Écosse, on a beaucoup de retours sur ce qui se passe, mais ce sont des fonds qui sont identiques, c'est-à-dire des fonds sableux, sableux vaseux, sableux. Or, chez nous, c'est sur des fonds rocheux, donc où il y a déjà une biodiversité extrêmement riche qui est en place,
Et on attend, parce que bon, ils ont commencé à faire quelques photos des piliers pour voir ce qui poussait dessus. Bon, il y a des moules. Avant, il n'y avait pas de moules. Il y a plein de moules. Il y a deux ou trois petites laminaires qui sont des laminaires annuels qui sont dessus, mais qui seront l'année prochaine bouffées par les moules. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des fonds marins. C'est-à-dire, nous, on le savait, on a fait des films là-dessus, on était voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut attendre un petit peu et on n'a pas encore de réponse. Sur tout ce qui est infrasons, ultrasons, ça dépend des espèces de poissons, de crustacés. Il semble que les poissons sédentaires soient moins impactés que certains poissons pélagiques ou mammifères marins. Et c'est un là encore, ça vérifie. Il faut vraiment que les connaissances aillent dans cette direction. Et j'espère que l'observatoire, effectivement, qui est mis en place, va pouvoir inventorier tout cela. L'idéal, ce serait, avant les travaux, d'avoir vraiment un état des lieux parfait. Deuxièmement, pendant les travaux, ce qui se passe, parce que là, personne n'a pu y aller. Hein. Nous, on sait ce qui s'est passé autour. On a vu une fuite de tout ce qui vivait sur le banc de Guérande. Ça a été quelque chose de monstrueux en mer, hein, en particulier avec les poulpes qui ont envahi les zones, qui ont mangé tous les crabes. Enfin bon, ça a été quelque chose d'incroyable. Et puis, après, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça se reconstruit. Comment ça se... Voilà. Et on pourra peut-être l'aider. J'ai une observation de pêcheur à pied, de glaneur. Quand je suis dans la région, je me promène sur la côte tous les jours. Aucune connaissance scientifique. Mais depuis ces travaux là, d'éoliennes, l'aspect pêche à pied est une constatation personnelle, c'est tout. Mais pêche à pied est... promenade du sable qui va, qui vient, ça c'est régulier depuis toujours, mais là c'est beaucoup plus de rochers, beaucoup plus de... Enfin, une transformation, je vois, du trait de côte pour un pêcheur à pied, pour un marcheur. D'autres ont constaté ce genre de choses ou c'est... Si, vous avez complètement raison. Impression personnelle ou... Là, c'est un petit peu... Bon, on déborde un petit peu peut-être de la conférence, on va sur un peu autre chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bande Guérande, 150 km² de roches. C'est des roches qui sont entre 10 mètres et 20 mètres de profondeur. C'est les premières roches avant le grand large. Oui. C'est des roches calcaires, calciques, avec des tombants magnifiques, avec des failles, des trous. Enfin, c'est un gruyère. Tous les pêcheurs prenaient, enfin les pêcheurs pros, 6 bateaux prenaient en gros 25 tonnes de homards, autant de crabes et d'araignées. On commence à mettre des pylônes là-dedans. C'est pas rien, hein, 7,50 m de diamètre. On les enfonce avec un marteau pilon, on tape dessus pour que ça rentre dans la roche. Hein, ou on fait des trous pour les mettre. Tout est parti. Il y a des vibrations énormes, on les entendait à terre. Tout est parti. Les poulpes en particulier, on avait aussi en même temps des poulpes qui arrivaient d'un peu partout. Ils sont tous partis, ils sont venus à la côte. Et moi qui plonge sur toute la côte, j'ai fait des cartes. On a renseigné Ifremer là-dessus. Il y a 40 km de côte où il n'y a plus d'algues. Parce que les poulpes ont arrivé, ont mangé tout ce qu'ils avaient à manger, les crabes, les homards, etc. Or, ce sont des prédateurs de certains organismes, en particulier les oursins. Les oursins, n'ayant plus de prédateurs, se sont développés et ont tout envahi, et eux, ce sont des brouteurs, ils mangent tout. Alors, on a des exemples au Canada, où il y a eu la même chose, mais c'est plus compliqué, sur l'orque, qui a bouffé les loutres, ainsi de suite. C'est la même chose aussi en Australie. On a des références un peu dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé chez nous. Alors, il faut le prouver, les dommages collatéraux, c'est simplement par rapport à la question que vous m'avez posée. Mais il n'y a plus d'axe 40 km de côte. Je continue? Vous continuez. Merci. Alors, je disais, une masse d'eau peut être globalement de bonne qualité, si c'est une grande échelle, mais localement, de qualité moyenne et à mauvaise. Alors, les apports de nutriments par les fleuves et l'eutrophisation de l'eau... Alors, la Loire, ça, je reprends les données du GIP. Hein. En gros, entre 125 000 tonnes sur une saison sèche et 650 000 tonnes de nitrate par an sur les saisons très humides. En gros, la Vilaine, c'est 10 fois moins. C'est, le régime de la Vilaine, c'est 10 fois moins à tous les niveaux, pratiquement. Hein, si on veut faire, mais c'est quelque chose de considérable. Quoi. C'est considérable. Alors, il est vrai que depuis 10 ans, comme l'ont dit, il y a un peu moins de débit en Loire, donc, si vous voulez, les taux ont quand même un peu baissé. Alors, je me permets de reprendre aussi ceci du GIP. Alors, ça, c'est... Il y a les nitrates et il y a les phosphates. Hein. Alors, là, vous allez voir deux graphiques. Celui-ci est fait par rapport à
16 000 tonnes de flux par an. Donc, n'essayez pas de le comparer en termes d'échelle à celui qui arrive ici, c'est nitrate, parce qu'on est sur 700 000 tonnes. Mais si vous faisiez ce graphique sur les 700 000 tonnes, on verrait des tout petits points en bas. On n'aurait pas du tout... On ne pourrait pas savoir ce qui se passe. On voit là aussi, là, par exemple, depuis 1989, les lessives sont avec de moins en moins de phosphate, même pas du tout. On voit que ça diminuait assez considérablement. Là, bah, c'est en fonction des variations. En 2013, il y avait des crues et des choses, en fonction de l'importance des débits des fleuves. Donc, vous voyez que c'est quand même très important. Ah, qu'est-ce qui s'est passé précédent ? Ouais, il ne veut pas. Fatigué. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah curieux. Il me faut autre chose que ça. C'est bien avant. Bon, j'ai deux diapos qui n'apparaissent pas, ce qui est bien gênant. Alors, bien embêtant, parce qu'en fait, je vais vous montrer un truc qui est passionnant, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez beaucoup de nitrate dans l'eau. Bah, tout devient blanc, c'est ça. Pardon ? Je dis, quand il y a beaucoup de nitrate dans l'eau, tout devient blanc. C'est... Oui, exact. Ça peut, ouais, enfin, pas tout à fait. Hein. Ça peut être vert ou marron. Mais... Bon, bah, écoutez, je vais faire sans. Ce qui est plus compliqué. En fait, ces nitrates, c'est des engrais, et toutes les plantes adorent les engrais. Il faut du soleil, il faut de la photosynthèse, et à partir de là, ça pousse. Alors, ça pousse à terre, c'est pour ça qu'ils en mettent dans les champs, trop, et ça pousse en mer. Ça veut dire que même mes laminaires, ils vont en profiter. On verra tout à l'heure les algues vertes, si ça passe bien, ils en profitent. Et des microalgues, qui s'appellent le phytoplancton. Et dans certaines conditions, en particulier de l'ensoleillement, des eaux peu agitées, plutôt chaudes, peu profondes, eh bien là, vous avez un développement important de microalgues. Et ce qu'on appelle des blooms, des efflorescences importantes de phytoplancton. Alors, phytoplancton, c'est un truc qui est absolument nécessaire pour la vie dans la chaîne alimentaire. Mais ça qui est formidable, c'est que tout est nécessaire, mais il n'en faut pas trop. Si on arrive à trop... À ce moment-là, lorsque ce phytoplancton meurt, il tombe sur les fonds, il se dégrade grâce à des bactéries qui, elles, consomment l'oxygène de l'eau. Et à ce moment-là, tout ce qui est au fond, tout ce qui ne peut pas s'en aller, va mourir. Et c'est le cas en 2014. Avant, j'avais des photos qui vous montraient toutes ces explications-là. C'est ce qui s'est passé sur la plage de Pimbron, sur 7 km, où il y avait eu effectivement des blooms de phytoplancton, une anoxie sévère. Vous avez des lançons, des plis, des sols, et sur 7 km. Donc voilà ce qui se passe quand on a ces anoxies sévères. Alors, il y a beaucoup dans le monde de zones comme ça, en particulier en Chine, mais en Asie, qui sont des zones d'eutrophisation incroyable, où vous avez des mortalités énormes, et où la vie, où il n'y a plus de vie en termes de faune et de flore. Là, alors, ça c'est autre chose, mais ça a été chez nous. Je ne veux pas prendre les marées vertes de Bretagne, hein. C'est chez nous. Chez nous, au Pouliguen-la-Baule. C'était en 2010. Alors là, il faut des conditions tout à fait favorables. Il faut que le printemps soit peu... Le temps doit être clair. Il ne doit pas y avoir de pluie, pas de nuages, etc. À ce moment-là, vous avez des apports, effectivement, comme on l'a vu, de nutriments. Et vous allez avoir un développement de nos fameuses macro-algues. Alors, c'est des ulves. Enfin, les ulves, c'est de la laitue de mer, hein, ce que vous voyez sur les plages après. Mais c'est très bon, ça se mange. Des tout petits crampons, etc. Là, ça développe beaucoup. Et c'est rare chez nous, parce qu'en général, on a un peu de crue de Loire au printemps, et puis c'est plutôt pluvieux, donc on a peu de photosynthèse, et on n'a pas ce développement-là. Eh bien, parfois, on peut l'avoir. Et dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe. Donc, les sels minéraux, comme je vous l'ai dit, hein, du soleil, il fait beau, il fait clair. On a le développement des algues vertes dans les fonds marins. Nous, on les voit. Hein. On les voit, elles sont entre allez, 3 et 5, 6 mètres, dans des zones protégées, abritées. Et... c'est bien, ça fait partie de la vie, quoi, c'est ça. Et puis, s'il y a de la houle et du courant, elles sont arrachées, elles se détachent et continuent à vivre. Elles n'ont pas besoin des crampons
c'est pas ce qui les, leur permet de vivre, hein, c'est uniquement, elles se nourrissent dans la colonne d'eau. Et donc, à partir de là, elles vont se déplacer et arriver, on sait que tout arrive à la côte, hein, surtout quand il y a de la houle, et on peut prévoir, c'est ce qu'on peut, nous, ce qu'on veut dire aux mers, etc. Nous, quand on vérifie qu'il y a effectivement beaucoup d'algues en mer, d'algues vertes, et qu'il y a des houles, 3-4 jours après, vous allez avoir un amas d'ulves sur les plages. Donc c'est là qu'il faut les ramasser, ça ne sert à rien d'avoir un tracteur avant, hein, c'est là qu'il faut les prendre. Donc phénomène, tout ça c'est naturel, mais quand il y en a trop, ça ne marche pas, c'est pas possible. Alors, autre chose, les laminaires, alors là, pourquoi j'en parle? Parce que d'abord, c'est un peu notre spécialité. L'association a été créée à partir du constat. Nous, on était apnéistes, plongeurs, chasseurs sous-marins, et on s'apercevait dans les années 2005-2010, en particulier sur la côte, qu'il y avait de moins en moins de laminaires. C'est un peu comme les gens qui se promènent et qui diraient, tiens, il y avait des forêts, il y avait des bois, là, on ne les a pas coupés seulement, ils meurent, ça ne va pas, il n'y en a plus. Et puis, c'est à partir de là qu'on a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous présente ces laminaires pour ceux qui ne sont pas allés sous l'eau. Donc, ce sont des algues, pas des plantes. Les plantes, chez nous, c'est des austères, elles ont des racines, les plantes. Elles se nourrissent dans le sédiment, elles se nourrissent dans la colonne d'eau, et les plantes qui sont en mer font des fleurs et des graines. Pas les laminaires. Les laminaires, ce sont des algues. Alors, ils vont se reproduire, hein, là aussi, pas de souci. Là, à gauche, vous avez une laminaire qui vit, qui commence à se développer au printemps, février-mars, des fois, et qui va, en 2 mois et demi, faire 2,50 m à 3 m de haut. Elle est annuelle. Elle va mourir en octobre. Celle-là, c'est... une laminaire qui, elle, va vivre allez, entre 10 et 15 ans, à peu près. C'est l'Hyperborea. Et là, c'est des petites hein, que j'ai prises, parce qu'il fallait qu'on puisse prendre la photo, mais elle va monter jusqu'à 2,50 m, elle va mettre du temps. Et puis, elle va voir ici, là, c'est tout petit, je vais voir sur une autre tout à l'heure. Bon, ouais, c'est des aptères ou des crampons. Des stipes qui sont ronds, là, il est plat. Mais simplement, à l'intérieur, si vous voulez, sous ces talles, sous ces feuillages, vous avez des quantités d'espèces, d'invertébrés qui sont là. Vous prenez ça, vous le secouez dans une caisse, vous avez plein de choses qui grouillent. Il y a une vie extrêmement importante. Donc, une photo de la laminaire Hyperborea, celle qui vit longtemps. Donc, c'est l'espèce de forêt arbustive qui tapisse tous les fonds rocheux marins. Et la fameuse laminaria Hyperborea avec l'épiphyte. Comme elles vivent assez longtemps et qu'en mer, la vie longue, il se passe des choses. C'est un peu comme les canopées là, que vous avez dans les forêts primaires. Vous allez voir tout un réseau ensuite, en dessous, qui se développe. Et là, là encore, c'est une vie incroyable. Et dans les crampons, il y a un chercheur dans sa thèse qui a dit « J'ai trouvé 110 espèces qui vivaient dans le crampon, dans les 5-6 petits crampons qui sont là, qui vivaient dans ces laminaires. » On arrive à pratiquement un millier d'espèces qui vivent dans ces habitats. Alors, c'est que des saccharides, là. Vous voyez que ce sont vraiment des forêts arbustives. Moi, je suis dessous, là. Je prends la photo. C'est sur Huevas du Four, pour ceux qui connaissent un peu la mer et qui y vont. Voilà. Alors, un rôle écologique majeur. Là, toutes les nouvelles, parce que là, on travaille beaucoup sur cette question-là des algues. Les algues, ça devient de plus en plus important dans le milieu marin, mais en même temps, c'est important, non seulement parce que vous verrez que on va se nourrir de plus en plus avec les algues. Et la deuxième chose, c'est on met de plus en plus en évidence, c'est leur captation du CO2 et la production d'oxygène de ces algues. Donc beaucoup de chercheurs travaillent dessus, pas seulement sur l'algue elle-même, mais sur les sédiments autour, pour voir ce qui s'est passé quand elles meurent, quand elles vont se déposer sur les sédiments. Et ça, c'est de plus en plus important. Donc c'est quand même le écosystème végétal côtier le plus vaste et le plus productif de la planète. Plus vaste et le plus protectif de la planète. C'est des recherches récentes 2022. 1000 espèces sont présentes dans ces habitats. Donc, c'est ici de reproduction des crustacés, des nurseries pour les juvéniles et donc pour les prédateurs avec une présence importante de barres, mulets, d'yeux, de rats, de sards. Les pêcheurs, s'il n'y a pas de laminaire, ils ne pêcheront pas. Et vous verrez, dans l'exposition, il y a un film qui est en boucle fermée où là, on montre effectivement les photos et ce qui se passe dans ces algues. Les forêts de kelp, là, c'est le mot anglais, cassent la force de la houle et des courants et permettent de diminuer l'érosion. C'est-à-dire que si on reconstitue les zones de laminaires, en particulier sur la côte,
on va permettre de diminuer un peu la force des vagues, des courants, etc. Avec la submersion, avec les montées des eaux, on risque effectivement d'avoir des grands ennuis par la suite. Donc, captation du CO2 et rejet de l'O2. C'est vrai que la mer rejette autant d'oxygène pour la Terre que la Terre elle-même, avec les arbres, etc. 50%, c'est la mer. Et c'est le phytoplancton dont je parlais tout à l'heure en particulier, et les algues. Alors, ils sont protégés depuis 2021 par la convention OSPA, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce sont des habitats extrêmement sensibles aux pollutions. Donc, le programme ELV qu'on a fait l'association, c'était de dire, bon, il faut savoir pourquoi ça disparaît et qu'est-ce qui se passe. Donc, en 2009 et jusqu'à 2014, on a mis un programme en place d'évaluation entre 10 sites. En fait, sur la Banche, il y en avait deux. Sur le Four, il y en avait deux. L'île du Mai, le Croisic, Pinchâteau, Baguenaud et la Pointe Saint-Gilda. Donc là, on a fait une évaluation de ces sites tous les ans, au même moment. Et c'était donc un travail de suivi nécessaire, car si vous voyez, par exemple, la DCE dont j'ai parlé, c'était tous les 6 ans. Ben, tous les 6 ans, on ne se rend pas compte des évolutions, qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps. Et ça, c'est corrélé, bien sûr, par exemple, aux crues qu'il peut y avoir, au dragage, pour voir, par exemple, je me souviens d'un Pinchâteau, on a vu des algues nécrosées, alors qu'il y avait eu effectivement un dragage du port du Pouliguen, sans doute avec des antifoulings qui étaient sur le coin. Donc, c'est ce qu'on a essayé de montrer sur plusieurs années. Donc, les acteurs, c'était IFREMER, puisque c'était un travail scientifique qui soit validé. Il y avait le Muséum de Concarneau, la Société Biolittorale, Anne Lambarrier, la Société Stermer, Raphaël Louvelot, qui a fait un état des lieux complet sur l'ensemble des thèses et études qui avaient été faites sur le secteur Loire-Vilaine. Donc, on avait une base de données importante dès le départ. Donc, c'est quoi? C'est des équipes de plongeurs et scientifiques. C'est ça qui est formidable. Là, c'est le Muséum des Histoires Naturelles. Donc, la pose du transect, alors, ça consiste en quoi? On prend le point le plus haut sur un secteur donné, où la bathymétrie est la plus haute, c'est-à-dire, par exemple, le plateau du Four, c'est autour de 4 mètres. Et puis, on descend jusqu'à le plus bas possible, avec ce câble lesté, pour ensuite déposer ce qu'on appelle des cadras, c'est-à-dire des carrés, qui vont faire en gros 50 cm carrés. On en pose 10 et on choisit des ceintures, c'est-à-dire en haut, par exemple, puis à moins 5 ou moins 8 mètres, et puis, selon ça dépend des qualités de l'eau, puis à moins 13 mètres, jusqu'à l'endroit où on va retrouver encore des macroalgues. Et puis, voilà, on fait cette analyse-là, des 10 cadras sur chaque ceinture. Donc là, on mesure les stipes, on fait vraiment un travail d'inventaire très important. Et puis, à la fin, ça donne quoi? Sur ce 5 années de travail, ça donne un état écologique des bases d'eau. Alors, c'est une notation qui est faite à partir de 3 endroits différents en France, en particulier Chauzet, au large de Saint-Malo, et au large, les Pierres Noires, au large des Telles, qui sont des endroits où, si vous voulez, les interférences avec les aspects anthropiques sont faibles. Il y a peu d'aspects anthropiques. Et par rapport à ça, on s'aperçoit quoi? Que tout ce qui est en bleu et vert, et qui est au large, plateau du Four, c'est de bonne qualité, à très bon. La Banche, un tout petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les fameux dragages que je vous ai montrés tout à l'heure et qui impactent en particulier cet endroit de la Banche Sud. Le Pilier, c'est très bon. La Pointe Saint-Gilda, il y a un moment où c'est bon, le reste, c'est mauvais. Et puis tout ce qui était à la côte, c'est de mauvaise qualité. Donc vous voyez, nos masses d'eau globales où on dit « Ah oui, c'est de bon état », on sait... Oui ? Écologique des masses d'eau. Qualité écologique des masses d'eau. Ce n'est pas la qualité totale de l'eau. On va voir ça tout à l'heure. C'est la qualité écologique de la masse. Alors, après, ça a duré 5 années, qui a amené finalement un travail important qui a servi à la DCE et la DCSMM, en particulier dans l'évaluation. Et puis, nous, on se disait, mais on ne peut pas continuer à faire ce travail-là. C'est très coûteux. On a eu des financements, mais très coûteux. Il faut un matériel important, il faut une sécurité importante. Et donc, le Muséum de Concarneau a fait un programme allégé, où nous, on ne fait qu'une ceinture, et qui permet d'avoir des données déjà très fiables. Et on le fait
en particulier en apnée, c'est-à-dire qu'on fait 10 cadrats sur une ceinture, mais qui nous donne vraiment des bonnes indications. Donc voilà comment ça se passe. Par exemple, on a fait toute la baie de la Baule, bien sûr, on le verra tout à l'heure, mais aussi le plateau du Four, où il y a un bateau qui suit un plongeur qui est en apnée, et sur le GPS, on fait une géolocalisation du site, et ensuite, le plongeur va compter sur un mètre carré combien il y a de laminaires en présence. Alors ça donne ça, parce que moi, qui m'intéresse à ça depuis très très longtemps, ça c'est les premières cartes, je ne les ai pas faites comme ça, je les ai faites sur les cartes CHOM, parce que j'avais vu que ces laminaires étaient extrêmement riches, et que là, par exemple, vous voyez ici, le Grand Charpentier, hein, c'est au large, c'est vraiment à la sortie de la Loire. Moi, j'ai vu des saumons, là, dans les laminaires. Il n'y a plus de laminaires, maintenant. Il y avait des saumons, ici. Il y avait une vie extrêmement importante. Et puis après, à partir de 2000, on a eu les GPS. Et là, on a commencé à regarder de très près ce qui se passait, ce qui nous amenait petit à petit à dire ça ne va plus du tout au niveau des laminaires. Eh bien, on s'aperçoit que déjà, il y a 6 laminaires au mètre carré, c'est une norme intéressante. Il n'y en a plus que 30%. Inférieur à 3 au mètre carré, il n'y en a que 50%. Et disparu, il y en a 20%. Donc ça va extrêmement vite. Hein. 2004, on a 30% de disparus. On s'aperçoit aussi, je sollicite votre attention, c'est qu'elles sont toutes celles qui restent au même endroit. Vous voyez, là, des roches. Elles sont pas là, elles sont dans certains endroits. Ici, et là, d'ailleurs, ici, c'est les Framentières, c'est une zone où il y avait des laminaires, et c'est là qu'ils font les dragages du Pornichet, du port de Pornichet, c'est là qu'ils sont mis. 2008, ça a disparu très vite, c'est là qu'on fait l'association, on dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, quoi. 75% ont disparu, elles sont toujours au même endroit. Voilà. Alors 2010, un moment particulier, là, on a tout vu, là. Dragage du port du Pouliguen, rupture de la conduite à ce niveau-là, et donc toute la matière, au lieu de partir un peu au large et d'aller un peu partout, elle revient partout ici. Et là, on a en même temps ça qui arrive, c'est les ophures, qui est l'échinoderme particulier, là, qui grouille partout, qui adore la matière organique. Voilà. Remplacer les laminaires, ce sont les moules qui remplacent les laminaires. Alors, il en reste un peu, moins de 3 mètres carrés ici. Et 2014, ben voilà, 90% ont disparu. Il en reste moins de 3 mètres carrés dans quelques zones ici. Voilà ce qui s'est passé en moins de 20 ans. Donc c'était considérable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, fouiller sur les causes. Les gens nous disent toujours, ah bah oui, mais en gros, prouvez-le, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça peut être tout le monde. Là, je vous montre l'évolution d'un habitat laminaire au début. Vous voyez, magnifique, qu'on a vu tout à l'heure. Quand il y a des matières en suspension qui arrivent, en particulier de l'argile, ça se dépose sur les laminaires. Et là, c'est des photos. Vous voyez, les laminaires, au début, les gens, par exemple, du muséum de Concarneau, qui ne sont pas habitués aux eaux turbides tellement, ils disaient, pas possible. Quand ils ont vu les photos, bah, si, c'est nos laminaires hyperboréas couvertes avec des moules qui se fixent dessus. Et puis, à bout d'un moment, vous pouvez avoir que ça, c'est-à-dire plus de biodiversité, des moules. Et c'est assez dramatique. Alors, les raisons de la disparition, diminution de la photosynthèse liée à la turbidité naturelle, les crues, les dragages, stations d'épuration, les blooms de phytoplancton. Stations d'épuration, là aussi, ils défendent. Pourtant, je ne sais pas si certains connaissent Nicolas Flock. Ça ne vous dit rien, Nicolas Flock? Nicolas Flock, c'est un gars, quelqu'un qui a une maison à Turbade et qui fait dans le monde... Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, ou oui, plus près. Plus près, plutôt. Oui, plus près. C'est quelqu'un qui fait des photos en noir et blanc sous-marine dans le monde entier. Et comme il habite la Turbale régulièrement, il fait depuis 20 ans des photos des algues à la Turbale. Et depuis qu'il y a l'émissaire des eaux usées, eh ben, il y a de moins en moins de laminaires, voire il n'y a plus de laminaires. Donc, lui, c'est très intéressant, il y a une chronologie importante. Il va dans tous les pays, dans toutes les côtes du monde, et il fait ce travail-là, qui est remarquable. Et il fait un truc intéressant, il regarde la couleur de l'eau quand il descend un fleuve, il prend des photos de la couleur de l'eau. Donc, quand il arrive dans l'estuaire et quand il arrive en mer, on a toute la chronologie de la couleur. Et on pourrait presque dire, c'est telle forme de pollution, c'est telle, qu'est-ce qui se passe. C'est passionnant. Donc, on a tous ces exemples-là. Le réchauffement climatique, oui, mais il n'y en a rien. À la côte,
il n'y a plus de laminaires, et au large, à 5 km, il y en a. Donc le réchauffement climatique, il est partout, hein, il n'est pas qu'à la côte. Les polluants chimiques, là, on ne sait pas, mais il y en a forcément. Et puis aussi, on nous a dit souvent, ah, mais non, ce n'est pas un problème, c'est la Loire, tout vient de la Loire. C'est les crues de la Loire qui font que vous avez beaucoup de matière en suspension, etc. Alors, oui, c'est vrai, mais regardez, dans les années 82 000, il y avait des crues importantes, et c'est là qu'on avait le plus de laminaires, nous. Bon. Et là, depuis les années 2010-2020, on en a de moins en moins, alors qu'il y a de moins de crues. Donc là, ça ne tient plus. Alors, précédent. Tout à l'heure, je vous ai dit, la DCSM a dit il faut préserver, voire restaurer tous les habitats qui sont en mauvais état. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que c'est le côté un petit peu positif de l'intervention. Je dis qu'il faut planter, comme on plante à terre, des arbres, des haies, il va falloir s'en occuper rapide, hein, et agir sur les causes. Donc, le projet de LV de restauration des habitats laminaires, qui va avoir lieu, si tout va bien, dès cette année, on va prendre les haies minières à l'automne, là. On est embêté cette année, hein. Il y a beaucoup de houle, je ne sais pas si vous allez en mer, mais on a beaucoup, beaucoup de houle, c'est très compliqué. Donc on sélectionne envers des dizaines de sujets, on va les emmener à Roscoff, qui est un centre CNRS de recherche sur les algues, avec Philippe Potin, qui est vraiment le pape des laminaires en France. Et ils vont être mis sur différents supports, parce que le problème de restaurer un milieu, ce n'est pas que du sable, c'est pas et puis sur du sable, les laminaires, elles n'aiment pas, c'est sur des roches. Alors, les roches, elles sont toutes différentes. Il y a des roches, des blocs, il y a des roches plates, il y a des roches, il y a des galets. Voilà. Et donc, il faut retrouver effectivement les supports adaptés. Donc, ça va être des galets, ça va être des cordes de coco ou de chanvre. Pourquoi ? Parce qu'un bloc, de roche ou un rocher qui est pointu, comme ça, on ne peut pas coller dessus une laminaire. Hein. Il va falloir l'entourer avec un cordage où se seront déposés, vous avez là des dépôts ici là, de laminaires, pour ensuite le fixer et ensuite elles vont développer dessus. Donc en fait, ça va être surtout trouver les meilleurs moyens, les meilleures techniques d'implantation en mer avant de faire ça sur des dizaines d'hectares. Suivre pendant 3 ans avec les scientifiques, un comité scientifique, l'évolution des laminaires, leur croissance, les espèces qui vont être associées, parce qu'il va se passer des choses différentes. Il y aura une étude d'impact dès le début, et puis on va voir ce qui se passe autour de ces laminaires, on va voir comment ça se développe. C'est un peu comme la même chose à terre, hein, sur les forêts. Hein. Donc un projet suivi par des experts, etc. Alors, à partir de là, donc, vous voyez, nous, on est quand même dans... On va essayer de restaurer. Alors, on va agir aussi sur les causes, en particulier sur les dragages. Et là, on a obtenu en particulier que les dragueurs ne fassent pas ça au printemps, au moment de la pousse des laminaires, mais le fassent à l'automne, quand les laminaires sont en voie de régression, voire ont disparu. Et au moment, à l'automne, où théoriquement, quand même, les apports, même si ce n'est pas vrai cette année encore, les apports de la Loire sont plus importants de manière à ce que la dilution des vases se fasse plus rapidement. Mais c'est vrai que ces dragages... Alors, il dit, oui, mais c'est pas grand-chose, 60 000 tonnes. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est 60 000 tonnes à un moment donné sur un endroit précis. Et là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il faudra évoluer là, dans cette pratique des dragages, voir un jour essayer de faire un dragage intelligent et pouvoir faire ça à terre et surtout. Bon, on verra. Alors, là, les nouvelles pollutions invisibles, je vais terminer à peu près par ça. C'est-à-dire les microplastiques, et ça, c'est de plus en plus étudié. Hein. Tara a fait tous les fleuves en Europe et en France en particulier. C'est énorme hein, ce qui arrive en microplastique. Et les molécules médicamenteuses. Surtout sur les microplastiques, là, parce que sur les molécules médicamenteuses, je pense qu'Ifremer pourra peut-être donner des informations là-dessus tout à l'heure, mais on sait qu'il se passe quelque chose déjà là-dessus. Et chez nous... Vous pouvez vous rapprocher un peu. Ah, encore, excusez-moi. Et chez nous... c'est vrai que nous sommes tous un peu âgés, que nous consommons parfois des médicaments, nous, etc. Et tout ça, ça va quand même à la mer, hein, c'est pas arrêté partout. Les microplastiques, c'est la même chose. Les fibres, avec une polaire, vous lavez une polaire, vous avez entre 100 et 200 particules de microfibres qui partent vers la station d'épuration, qui ne les arrête pas. Donc tout ça, ça part en mer.
ne parlons pas, 30% des microplastiques, c'est l'usure des pneus sur les routes. 30%. Le vent emmène tout ça. On sait maintenant qu'il y en a partout dans l'air. Mais ça va partout. Donc ça, c'est vraiment le truc embêtant, très embêtant. Quelle pollution plastique invisible, quelles conséquences sur la santé? On ne sait pas grand-chose, simplement on sait que les microplastiques sont les supports de, par exemple, de pollution, telles que les hydrocarbures, etc., qui se collent là-dessus. Ce n'est pas un organisme vivant, le microplastique, donc ça va là-dessus plutôt. Et c'est plutôt en ingérant ce genre de choses que je pense que le reste, autrement, ça va plutôt suivre un cours normal, mais on ne sait pas trop encore. Les nanoparticules, il y a eu des études qui ont été faites, on sait qu'il y en a partout maintenant dans le sang et qu'on retrouve un peu partout dans le corps. Donc sur les moules, c'est surtout par ici qu'il y a des moules, mais les huîtres un peu moins, je prends les moules parce que c'est un filtreur incroyable, et filtre plusieurs litres à l'heure. On en retrouve beaucoup. Donc un organisme de Suisse là, trouve entre 18 et 57 particules dans 100 grammes de chair de moule sur 13 échantillons, quelle que soit la provenance. Mais aussi sur les huîtres et tous les coquillages filtrés. Ben, c'est évident. Hein. Alors, bon, ça, c'est dans les choses qu'il faut essayer d'améliorer. Moi, je souhaiterais, au lieu, c'est bien ce qu'on a fait sur les fleuves et autres, mais on devrait faire maintenant dans toutes les zones de mythiculture, de conchiculture, comme ce que font certaines associations, expéditions MED, etc., en Méditerranée, c'est pêcher les microplastiques avec des filets à plancton pour voir ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qu'on a dans ces zones-là? Qu'est-ce qu'il y a véritablement? Ce serait quand même drôlement intéressant, localement, de dire, voilà ce qui se passe chez nous. Et puis que les pratiques changent. Hein, je sais que les professionnels ont envie de trouver d'autres systèmes, en particulier pour que les bouchots puissent être préservés. Au lieu de mettre du plastique, ils cherchent autre chose. Je terminerai sur ça, quand même. C'est que les océans sont vraiment quelque chose d'exceptionnel, et c'est pour ça qu'on on vit. Hein. Si on n'avait pas les océans, on ne vivrait plus. Ils absorbent 90% de la chaleur résultante des GES, limitent le réchauffement de la Terre. En même temps, on sait qu'ils s'acidifient. Hein. Ils récupèrent 25% du CO2. Justement, là, j'ai quand même quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, un peu comme ce que j'ai dit sur les microplastiques. Si on replante des laminaires, et même dans les zones de laminaires, c'est intéressant de suivre l'évolution du pH pour voir ce qui se passe dans ces zones où, justement, on a des capteurs, des captations importantes de CO2 ou pas. Bon, si ça se trouve, on a un pH qui est quand même acceptable sur la côte, contrairement peut-être au large. Tout ça, ça aussi, ça suppose maintenant des données beaucoup plus locales, beaucoup plus différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nourrissent 3 milliards de personnes? Ben, ça veut dire que dans le monde entier, il y a 3 milliards de personnes qui vivent à partir de la nourriture de la mer. En Asie, beaucoup d'algues, du poisson partout. Nous aussi, hein, coquillages, etc. Donc il y a beaucoup. Il y a toujours l'important, c'est qu'il faut bien se dire, c'est qu'un kilo de protéines en mer, il n'y a pas eu besoin d'intrants. Hein. Il n'y a pas eu besoin d'eau, etc. Un kilo de moule, c'est formidable. L'empreinte carbone, c'est les bateaux qui vont y aller avec leur moteur. Ça va être le transport camion, d'accord. Mais c'est tout. Contrairement à la Terre, où... mais quand même. Autrement dit, quand il n'y a pas d'homme, tout va bien. Comment? Autrement dit, quand il n'y a pas d'homme, tout va mieux. C'est encore une question qu'on peut traiter ailleurs. Mais c'est vrai. Donc il y a quand même 3 milliards de personnes qui s'en nourrissent. Donc il est essentiel de les préserver. Donc je vous ai fait voir. Voilà. Des beaux systèmes, des écosystèmes marins, bon, vous les voyez, ça c'est ce qui permet effectivement, c'est très riche ces endroits. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci, très, très instructif, très intéressant. Juste une note personnelle, juste une photo. J'ai vécu à Vancouver 3 ans et demi, le kelp dans cette région-là et vers le nord fait plus de 100 mètres, donc de 100 mètres de haut jusqu'à 200 mètres de longueur, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand les eaux se refroidissent, l'hiver, ça se divise à peu près par 2 ou 3, et ça repart l'année suivante. Et le grand danger dans cette région que des gens comme vous signalent, maintenant, c'est la fonte des glaciers du Nord qui dissout
la richesse de l'eau de mer, en somme, avec de l'eau propre, mais qui n'est pas bonne pour ça. J'ouvre les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Deux petites précisions. Petite précision, et excusez-moi d'être très local. Moi, j'ai été tout de suite intéressé par l'aspect marée verte que nous avons eu ici. Il y a des marées vertes en Bretagne, dont on entend un peu plus parler maintenant parce qu'il y a un film qui a beaucoup de succès, mais ça dure depuis des décennies. Il y a déjà eu 3 morts humains et 30 animaux. Donc, c'est grave. Eh bien, les marées vertes, ça existe ici aussi, mais on ne les voit pas parce que avant que les gens arrivent avec leurs serviettes sur les plages huppées du coin, Veolia est passé à l'aube et a tout ramassé. C'est organisé. Par contre, je voudrais alerter parce qu'il faut préserver, il faut restaurer, faisons-le. Où vont les algues vertes qui sont ramassées clandestinement aujourd'hui et juste avant, là, parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'était juillet et août, par des agriculteurs à leur propre initiative. Je peux vous emmener, et tu pourras faire les photos où je te les donnerai, sur le coteau guérandais, derrière Cly, il y a des tonnes d'algues vertes puantes qui font des émanations d'hydrogène sulfureux, le gaz mortel, à côté de lieux qui sont habités, d'une façon tout à fait illégale. Et quelle est la raison pour laquelle ils font ça? Après, c'est épandu sur les terres agricoles, comme engrais. C'est un engrais. C'est l'engrais nitrate qui vient de la mer. Je voulais vous le disiez. Non, mais regardez le système. Il est épandu sur les terres agricoles d'une façon officielle, mais après traitement et déclaration. Mais là, c'est clandestin. Et ces nitrates-là, qui vont être en surabondance à l'automne enfouis, ils vont ruisseler, ils vont se retrouver dans la mer. Ce sont les shaddocks. D'accord. Alors, pour les microplastiques, faisons, c'est marqué, il faut, faisons. Eh bien, faisons. Hier, j'ai vu le rotobroyeur, vous savez, le mixeur qui passe dans les fossés. Là, il est passé devant chez moi. Il a pulvérisé des bouteilles plastiques qui sont en train de partir par les bondes, direction Marais Salant, direction ostréiculture, mytiliculture, direction la mer. C'est facile de faire quelque chose, il n'y a qu'à arrêter de le faire. D'accord. Merci. Non, merci. Juste pour répondre. Répondre hein. Après, on donne la parole à ce monsieur à l'arrière, là-bas. Je réponds, oui. Oui, non, allez-y, vous rapprochant. Ça pose la question du suivi du ramassage. C'est-à-dire, que ce soit les plastiques sur les plages qui vont dans les bacs, et c'est très bien, mais qu'est-ce que ça devient après? Comment c'est recyclé? Est-ce que ce n'est pas simplement incinéré en amenant d'autres pollutions? C'est surtout ça. Et ça supposerait, bien sûr, une autre forme de débat, une autre forme de... Mais c'est des interrogations que l'on peut avoir, comme sur les algues vertes. Les algues vertes, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est un phénomène naturel qui est amplifié par les intrants et autres. C'est pas mauvais, dans un sens. Par contre, on sait très bien que quand ça arrive à terre et que ça reste à stagner, comme tu l'as dit, ça peut devenir mortel. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe et quelle est la chaîne après? Donc, voilà, si les élus peuvent répondre. Vous avez une question, ce monsieur à l'arrière. Excuse-moi, Jean-Yves. Ah, pardon. Moi, je ne sais pas où on en est exactement, mais peut-être que les autres élus qui sont à Cap-Atlantique, moi, je n'y suis pas en ce moment, mais j'ai suivi que lorsqu'on a commencé à les ramasser, puisque c'était il y a quelques années, et avant, on ne les ramassait pas, Cap-Atlantique les ramasse et les met en compostage. Et il y a aussi une aire de stockage qui doit être du côté de Ferrel, dans laquelle il y a toutes les algues vertes, par contre, de Mesquer, tout ce coin-là. Il y en a une aire au nord, et les autres, elles vont dans les aires de compostage. Donc, elles sont compostées avec les autres. Bon, maintenant... Vous avez été très clair, précis, instructif en ce qui me concerne. Maintenant, avance parce que je vais arrêter pour une question d'emploi du temps. Dans 5 minutes au maximum, on fait la pause. Okay. Vous avez une question là-haut, Catherine? Oui, mais je voulais juste dire que c'est libre de ramasser les goémons. Hein. On n'a pas d'interdiction. Ah ben non, ça c'est un autre problème.
Tout ce qui est... Bon, je ne vais pas relancer. Monsieur, oui. Je vous en prie. Les algues vertes, c'est une chose, mais ce qui m'inquiète, c'est le ramassage des algues vertes. C'est-à-dire que il y a des moments où on se demande d'ailleurs pourquoi elles sont ramassées, parce qu'au bout de 4-5 jours, elles disparaissent par les marées. Mais quand elles sont ramassées, on ramasse aussi beaucoup de sable. Et je dois dire que sur des lieux que je connais très bien, c'est un vrai ratissage, et c'est même plusieurs tonnes à chaque fois de sable qui sont ramassées en même temps. Quand on connaît l'importance et la qualité, je dirais, biologique, écologique même du sable, et sa fonction même par rapport aux qualités, je dirais, des eaux de mer, si on continue comme ça, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'on fait ça, si on continue, si on n'adapte pas, je dirais, ce ramassage aux conséquences, je dirais, liées directement au ramassage, ça va être dramatique. Non pas que les plages vont disparaître, parce qu'elles disparaîtront forcément, mais on va faire disparaître aussi tout un système cohérent, je dirais encore aujourd'hui. Oui, et on a demandé plusieurs fois, alors par l'intermédiaire de la commune, éventuellement d'une des communes littorales, ou aussi à Cap-Atlantique, qu'il puisse exister des machines réellement adaptées quand ils veulent ramasser, bien sûr, parce que parfois ils ramassent, mais sans aucune raison. Ça peut être en hiver, donc il n'y a pas d'estivant, il n'y a personne. On peut très bien laisser ces algues qui font 50 cm et qui, au bout de 3-4 jours, ne font plus que 20 cm d'épaisseur. Donc ça ne gênerait absolument rien. Mais on a encore des fonctions qui sont... il faut que ce soit propre, voilà, c'est ce qu'on appelle, il faut que ce soit propre. Et cet aspect de propreté est à revoir, mais surtout aussi les mécanismes de ramassage. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur.